Qu'est-ce que signifie pour vous la radio ? Ça signifie beaucoup de choses. Je suis tombée dedans quand j'avais 12 ans et depuis, j'ai rien lâché. En fait, j'étais très timide quand j'étais petite, donc timide et dyslexique, donc j'avais beaucoup de mal à parler. Et j'ai commencé en fait sur une toute petite radio de collège qui s'appelait Cartable FM. Et en fait, je faisais des chroniques cinéma, un peu humoristiques, sauf que avec ma dyslexie, mon humour, on ne comprenait pas trop. Donc j'ai pris des cours d'orthophonie, je suis tombée quelques années après sur un directeur d'antenne de radio bénévole en fait qui m'a formée au métier de radio, donc à être derrière le micro, à toucher la régie, la console, etc. Et puis c'est comme ça que j'ai continué, persévéré, j'ai monté une émission, je suis tombée sur un autre directeur d'antenne qui a apprécié ma voix. Et il se trouve qu'à l'époque, en fait, il démarrait une toute nouvelle émission et aussi l'infotrafic. Et il avait besoin d'une voix féminine. Et en fait, ça a matché tout de suite. Et du coup, c'est comme ça que j'ai continué. Et ça m'a jamais quitté. Et je pense que je pourrais pas faire autre chose.